What? Salut à tous, c'est Hérésy et bienvenue sur ce nouvel épisode de Sky Factory 2. Et comme vous pouvez le voir, hein, j'ai les OAC Baril remplis d'eau parce que, toutes les autres quêtes nécessitent de l'eau dans les barils. Donc, j'ai attendu, hein, en attendant que ça qu'il pleuve, puisque sinon, ça faisait trop long à attendre. Vous voulez pas voir du non-contenu en attendant de l'eau, hein. Voilà. En attendant, j'ai trouvé comment on faisait pousser l'oax sapline. Donc c'était bien en faisant du twerk, hein, évidemment. F5, voilà. On va faire du twerk jusqu'à que ça pousse, avec mon petit slam sur la tête. Et en fait, c'était juste qu'il fallait le faire beaucoup plus longtemps et beaucoup plus vite, voilà, que ce que je faisais avant. Comme vous pouvez le voir, hein, les petits trucs, ça fait petits particules vertes qui montrent que ça pousse bien. Comme avec la bonne mille, hein, quand on applique de la bonne mille, ça fait exactement pareil. Bon, c'est un peu long, mais au moins ça marche. Voilà. Et hop là, nous avons notre nouvel arbre. Wouhou! Alors j'ai un peu farmé, hein, les arbres, hein, pour rien vous cacher, en attendant qu'il pleuve. Pas beaucoup, mais puisqu'il a plu assez vite. Mais bon, j'ai rabaissé ça aussi. Je sais pas si ça a marché vu qu'il y a un trou en dessous, mais bon, on verra. Écoutez, au pire, j'aurais perdu un peu de terre. Alors, où nous en étions? Donc, on en était. Voilà, collect rain water, ça c'est bon. Make a clay, voilà, tout ça c'est. La clé c'est avec l'eau. Le crucible c'est avec la clé, donc forcément avec l'eau, etc. Alors, il va falloir que... Donc, qu'est-ce qu'on avait dit? La clé, voilà. Comment on fait la clé? Ah oui, pour l'oaxive, donc j'ai regardé un petit peu. Voilà, l'oaxive, hop. Et ils nous disent ce qu'on peut avoir avec l'oaxive, voilà. Et donc, comme vous pouvez le voir... Non, c'est pas ça. Hop là, on pouvait avoir de la bonne mille avec du dust. Mais j'ai fait le con, je ne l'ai pas pensé. Il y a le pourcentage de chance de l'avoir et tout, donc c'est parfait. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir? De la stone, ça oui. Carotte, grasse, un gland, spruce, acacia, birch, pumpkin, melon. On peut avoir des melons, c'est bien ça. Avec... Ah, on peut avoir du diamant, 1% de chance et de l'émeraude. Ok. Quand on aura des villageois, ce sera bien. Broken, alors apparemment le broken, je crois, hop là, voilà, avec le broken on peut faire de l'iron or gravel. Et si j'ai bien compris, avec l'iron or gravel on peut faire de l'iron sand, et avec de l'iron or sand on peut faire de l'iron or dust qui va nous donner des blocs de fer, enfin qu'on peut faire fondre. Mais pour l'instant, j'ai pas encore de four, donc on va pas faire ça tout de suite. Alors, donc on avait dit... qu'est-ce qu'on avait dit déjà? De la clé, il nous faut. Hop là, de la clé. Alors, comment on fait la clé? Avec... Bon, de la clé, évidemment. Et ça, comment on fait? Ouais, non, d'accord. C'est peut-être écrit dans le livre. Make a clay by putting dust into water. D'accord, il faut mettre du dust dedans. Bah, on va faire ça. On va faire ça. Alors, il nous faut du dust. Pour ça, il va nous falloir masse roche. Oh, fuck. Est-ce que je peux l'enlever? Est-ce que je peux l'enlever? Bon, je vais faire un autre oak baril. Ça va être plus rapide. Hop, voilà. Je vais même en faire plusieurs. Parce que apparemment j'en ai bien besoin. Voilà. Je vais en faire 3 de plus. C'est parfait, 3 de plus. Hop là, on va les mettre derrière. Attends, parce que j'ai changé du coup la touche.
pour sneaker, que je me trompe pas, sinon je vais tomber. Voilà, j'ai pas trop envie de tomber encore. Hop, hop, et hop, voilà. On va mettre nos saplis. Pourquoi je ne peux plus avancer? Ok. Wow, non, 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 non. J'ai pas compris là. What? Wither? Non! Voilà, je sais ce qui allait pas, hein. C'est juste que du coup j'ai fait Alt et Mage et que ça m'a mis en QWERTY. Enfin bref. Alors, on va prendre de l'eau hexapline qu'on va mettre ici. On va remplir, hop, on va remplir celui-là aussi et on va remplir celui-là. Voilà, ça va me faire 3 de terre en plus. Pour l'instant, je vais laisser ça là. Non. On va voir si ça marche. Oui, ça marche, donc pas besoin de le mettre en hauteur. Par contre, j'en ai eu que 2, c'est dommage. Mais avec ça, j'ai de quoi en faire 1, c'est déjà bien. Pas suffisant, mais c'est déjà bien. Donc, que je me souvienne, c'est avec du dust. Hein. Donc, hop, on va prendre notre marteau. Voilà, quand, petit rappel, la pierre, ça se transforme en gravier, le gravier en sable et le sable en dust. Ensuite, le dust, faut le mettre ici, c'est ça? Voilà. Et ça me fait de la clé. Par contre, je peux en avoir que 3, donc ça va être, ça va être juste. Hein. Mais ça devrait le faire. Hop, pour récupérer les petites clés. Voilà. 3 terres, ok. Ah, je peux rester appuyé, c'est bien aussi. Plutôt que d'appuyer 36 000 fois. Voilà, et des pumpkin seeds. Je vais ranger ce que j'ai pas besoin. Bon, j'ai eu que ça, bon, bah, c'est pas grave. Ouh, j'ai pas eu beaucoup, hein. J'ai pas eu beaucoup. De quoi en faire 2, c'est pas mal, mais c'est pas suffisant. Ouais, ok. Donc, un gravier. Hop. Voilà. Du sable, on s'en fout. Moi, ce que je veux, c'est du dust. Et voilà, 2 de dust. Allez, on pose ça là. Je sais pas si je vais en avoir trop, mais si j'en ai trop, c'est pas très très grave non plus, parce que de toute façon, j'en aurai sûrement besoin. Voilà, donc j'ai de la clé. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? Hop. C'était pour faire du crucible. Voilà. Donc, crucible. Comment on fait ça? C'est en faisant fondre. Ouh, merde, il me faut un four. Donc, c'est pour faire fondre. Ouh là là, ça va être chaud à avoir un four. C'est pour faire. Il faut faire fondre l'unfire porcelaine clé, il me faut donc. Ah, il me faut de la bonne mille en plus. Oh là là, j'y crois pas. Ah, mais j'en ai de la bonne mille. Parce que j'ai eu un squelette qui a pop. D'ailleurs, c'était pas un squelette, c'était bizarre. Mais j'ai eu quand même de la bonne mille. Enfin, des os. Ok. Alors, on va prendre les os. Voilà. Hop. Qu'on transforme en bonne mille. Ah, mais j'aurais pas assez, en fait. J'aurais pas assez du tout. Ça en fait qu'un seul. Ouh là là, il va m'en falloir beaucoup. Petite ellipse en attendant que j'ai tout ça, hein, parce que je vais avoir besoin de beaucoup, 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 beaucoup. Re tout le monde. Alors bon, petit topo. Comme vous pouvez le voir, je suis à Day One, parce que, tout simplement parce qu'en fait, je suis mort, que j'ai perdu tout mon stuff, hein, parce que oui, je sais pas, il a disparu, peut-être à cause des slabs, je verrai. Les mobs étaient un peu trop nombreux, j'arrivais pas à survivre. Alors j'ai fait un slash D, slash time set D, et ça m'a remis à zéro. Bon, cela dit, c'est pas très très grave. Hein. Vous voyez, j'ai mis ça pour avoir plus d'arbres. Et il se trouve que
Ah oui, que voilà, bah, j'ai beaucoup de terre en fait, hein. J'ai farmé comme pas possible. Et maintenant, j'ai de la terre assez pour avoir ce que je veux, je pense. Donc on va commencer, il va falloir farmer. Bon, je vous dis à tout de suite pour quand j'aurai la bonne mille. Re tout le monde, alors voilà, j'ai eu 5 bonnes mille, c'est une bonne nouvelle. C'était long, hein. Et c'est... Ouais, je vais pas vous le cacher, c'était vraiment long. Il m'en fallait pas 5, mais bon, c'est pas grave. Une erreur de plus, une erreur de moins. Hein. Et nous avons notre Unfire Crucible. Il me faut de la pierre maintenant. Il faut farmer la pierre. Wouhou, je reviens quand j'ai le four. Et voilà notre four, Furnace. Tac, tac. Où c'est qu'on va poser ce four? Aucune idée. Bon, on va le poser là, écoutez. Hein. Hop là, il volera. Et puis voilà. De toute façon, on rendra ça un peu plus beau plus tard. Faudra que je m'en occupe. Alors, je vais me faire du charbon. Voilà, on attend que donc ça chauffe. J'ai peut-être de quoi faire deux. Hop. Voilà, une slab, ça suffisait. Voilà, nickel. Deux charbons, c'est bien. Et donc, il faut que je fasse chauffer ça, apparemment. Unfire Crucible. Alors comme vous pouvez le voir, hein, j'ai eu de la poke de red aluminium, copper ore, iron, platinum, tin, glowstone, gold, redstone, certus quoi. Enfin voilà, j'ai eu plein de trucs, je sais pas encore à quoi ça sert. Je vais en profiter pour faire du charbon, de toute façon du bois j'en ai à l'infini. Et d'ailleurs, faudrait que je commence à mettre des torches hein, ici, c'est pour ça que je fais chauffer du charbon. Je vérifie un truc. Oui, alors on va poser ça. On va poser ça. Comment on va faire? Comment on va faire? On va le poser où? Ah, gros dilemme, hein. Ah oui, j'ai fait un lit. Alors comment j'ai fait un lit, hein? Tout simplement, il m'en restait, je le savais. Tout simplement, hop, hop. Et voilà, ça fait de la laine. Et avec ça, on peut faire un lit. Bon, je vais pas en refaire parce que ça me sert à rien pour l'instant. Je vais ranger tout ça, tout ce que je peux. Faudra que je me refasse un autre coffre. Que d'ailleurs je vais faire maintenant. Non, pas maintenant. Voici. Hop là. Hop, hop, hop. Voilà, nickel. Je vais me faire plusieurs coffres parce que je vais en avoir besoin. 3, c'est parfait. Parfait, parfait. Alors. Hop, on récupère ça. On agrandit ce coffre. Et je vais faire un coffre ici. Hop. Tuc, tuc, tuc. Voilà, un grand coffre ici. Hop. Parce que ça relie. Et non, ça va, ça relie pas en fait. Je croyais que ça reliait. Ah non, c'est pas après ça. Oui, exact. Exact, exact. Je sais après c'est quoi. Hop. Ah. Fais attention de ne pas tomber. Le coffre ici. Et là, ce que je veux faire, c'est ça. On va en profiter. Hop. Voilà, une crafted station. Que je vais poser ici. Pourquoi ça? Parce que, hop là, nickel. Et on peut faire tout ce qu'on veut là. Donc, c'est parfait. À partir du coffre, c'est nickel. Ici, je vais poser tout ça d'ailleurs. Voilà, pour l'instant, j'en ai pas besoin. Hop, la cide, on n'en a pas besoin. Et on va poser notre crucible. Oui, je me suis fait une stone hammer en pierre. Le luxe absolu, rien à foutre. Alors, comment on va le poser? On va le poser par là. J'aime bien que tout a sa place un peu, mais tout peut tomber aussi. Alors, il faut que je fasse attention.
On va faire. On va casser ça. Hop, c'est pas tombé, j'ai eu de la chance. Alors ça, je sais comment ça marche. Donc, d'ailleurs, ça marche pas comme ça. Je fais n'importe quoi. Voilà. Ah, j'ai perdu. Non. Ça marche comme ça. Voilà. Ça volera. Ça volera. Tant pis. Okay. Alors, pourquoi le mettre en hauteur comme ça? C'est parce qu'il va me falloir une torche. Donc là, on récupère. 6, c'est très bien. Qu'est-ce que je fais? Je sais pas ce que je fais. Voilà. Pas besoin de la table de craft, hein, mais bon. Hop. On va torcher ici. Et donc là, normalement, il chauffe. Alors, on va voir un peu les quêtes, parce qu'on n'a pas regardé ça. Make clay by putting dust into water field burial. Donc ça, c'est fait. Craft and cook a crucible. Ça, c'est fait. Eat a crucible with a torch and insert stone or cobble to make lava. Donc là, il faut faire de la lave. Donc il va me falloir encore de la stone. Non. Oh, regardez. Regardez-moi ça. C'est beau, ça. Mais je vais me faire déchirer. J'ai pas envie de me faire déchirer. Alors, tant pis pour ça. Tant pis pour la bonne mille. On en aura d'autres. Écoutez. Une fois qu'on sera un peu stuff, ça ira mieux. Donc on va récupérer un peu de stone. Hop, de toute façon j'ai master, enfin j'en ai masse, j'en ai plus tant que ça. J'en ai plus tant que ça. Voilà, 34 ça suffit je pense, 37, hop. On va voir ce que ça fait. Tuc tuc tuc, 9 cobblestone qu'on va poser là. Voilà, je peux en mettre 5. Et normalement, ça devrait fondre. Faut attendre. Hein. Faut attendre. Alors. Ensuite. Build a cobblestone generator. Comment ça? Ah, d'accord. Il va me falloir du fer. Alors, comment on fait le fer? Comment on fait? Parce qu'il va me falloir un seau. Je vais regarder s'il n'y a pas une autre façon de faire un seau. Fire clay bucket. Donc avec de la clé. Mais est-ce qu'il m'en reste? Est-ce qu'il m'en reste? And fire. Ah oui, 3. 3, c'est large. C'est faisable. Alors, enfin, je dis large, mais peut-être pas. Voilà. Donc je peux en avoir qu'un. Ah ah, je peux en avoir qu'un, c'est pas bon ça. Quoique si, en fait, c'est bon. Un seul, ça suffit. Hop, 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 hop. Et voilà, j'ai mon seau que je vais devoir cuire. On va reposer ça. Hop, ici. J'espère que ça va suffire. Est-ce que ça augmente? Est-ce que ça avance, ça? Ça m'a l'air d'avoir diminué, hein. On verra bien plus tard. Par contre, j'ai plus d'eau. C'est problématique, c'est problématique. Il va falloir qu'il pleuve un peu. Il me reste des saplines, je vais les planter. Comme ça, ça peut pousser naturellement. Ce sera toujours mieux que rien. Voilà, alors, broken iron. Est-ce que c'est comme ça? Non, il m'en faut peut-être un peu plus. Tant pis. Tant pis, tant pis. Ok. Ok, donc build cobblestone generator. Donc ça va être très pratique. Par contre, ce qui va être moins pratique, c'est que j'ai que... J'ai que ça. Je vais pas pouvoir mettre de la lave au sol. Si j'ai que des plateformes en bois, parce que sinon ça va brûler. Alors, on va se faire une plateforme. Oh non! Fuck! Ah, le bonheur! Le bonheur d'avoir changé les touches! Oh là là! Oh, je suis dégoûté!
Heureusement que j'ai planté les sapines et que je les avais pas sur moi parce que sinon j'étais dans la merde. ça évolue, mais du coup je suis dans le caca. Je suis dans le caca, mais j'ai mon fire clay bucket. Wouhou! Je vais pouvoir avoir de la lave. Par contre, du coup, j'ai plus ma stone. Je suis deg. J'ai plus rien. Oh là là. Bon, ben c'est reparti pour un tour. On va farmer, hein, écoutez. Heureux tout le monde! Voilà, regardez, regardez-moi ce beau paysage. C'est pas beau tout ça? Alors j'ai farmé, et encore farmé, hein. J'ai mis, voilà, 5 jours de jeu, voire 6. J'ai changé les plateformes, histoire de faire quelque chose de plus beau. Voilà, j'ai mis des barrières pour pas qu'on puisse tomber, et wouhou, on peut pas tomber, ouais, c'est génial. Il a plu entre-temps, aussi, tant mieux. Parce que... J'en avais besoin. Alors j'ai mis ici, j'ai mis nos arbres. Comme ça, pour farmer, ça m'a été d'une grande aide. Avec un petit coffre qui tient en équilibre sur les barrières. Et hop. Non, je vais pas le jeter parce que je vais en avoir besoin. Et là, alors là, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Eh ben, ça va être tout simplement notre... Cobblestone Generator. Alors j'ai dû farmer pour ça, voilà. Bon, je les ai fait comme ça, hein, mais de simples cobble slab aurait suffi. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que le bois ça brûle et que avec la lave ça tout aurait pris feu et que je ne veux pas que tout prenne feu. Normalement les barrières devraient brûler aussi, donc je sais pas. J'ai pas fait le test, on verra. Au pire, si ça brûle, je les enlèverai, j'agrandirai la place. Enfin, on verra bien. On verra bien tout ça. Alors, on va commencer par faire une source infinie d'eau. J'ai fait le petit espace pour ça. Hop. Tada! Une source infinie. Bon, ça dépasse un peu, mais c'est pas grave. Du coup, ça, je vais plus en avoir besoin. Mais bon, c'est pas grave. Alors, donc l'eau, alors voilà, hop, que je vous explique un peu. Bon, c'est basique, hein, c'est un petit cobblestone générateur de base, tout simple. Donc, on pose l'eau, que je me trompe pas, ici. Voilà. J'ai laissé un peu dépasser, mais bon. Parce que ça demandait trop de ressources et que j'avais pas envie. Et puis ça fait un peu joli aussi. Bon, ça, j'avais pas assez de ressources, c'est pas grave. Alors, bon, déjà, on va faire et je vais vous expliquer pour ceux qui savent pas faire. Même si vous devriez être peu nombreux. Et comme vous avez pu le voir, la cobblestone s'est transformée en lave. Génial. Et il m'en reste encore, donc c'est nickel. C'est nickel. Et la lave ici, et tada! Et donc en théorie, si j'enlève ça, donc si j'enlève la terre, la lave va s'écouler là, tandis que l'eau va rester là puisque j'ai fait un trou, hein, en dessous, voilà, et comme ça l'eau coule en dessous. Oula, je me suis fait peur. Et la lave va couler là, elle va se transformer en cobblestone au contact de l'eau. Voyons voir si ça marche. Fuck! Ma terre! En tout cas, ça marche! Nous avons notre... par contre, est-ce que je vais réussir à les récupérer? Oui, c'est bon. Nous avons notre cobblestone générateur! Et voilà, la cobblestone arrive. Je mine et je récupère tout, c'est nickel. On va récupérer pour se faire une meilleure. Ah fuck! Bon, on a des petites pertes, c'est pas très grave. Oh fuck! Récupère! Oh, je suis fou, moi, rien à foutre. On a quand même pas mal de pertes, mais bon, c'est pas grave. C'est du basique, c'est pour faire la quête. Voilà. 8, ça devrait être bien. 8 pour pouvoir faire. Tac. En tout cas, on n'aura plus de soucis de cobblestone. Get in a new grate, nickel. D'ailleurs, ça,
Bon, ça, alors voilà. En fait, j'ai fait une plateforme, une longue plateforme, où je vais tout diviser à chaque fois pour pouvoir agrandir le monde selon les envies, selon les trucs qu'on a à faire. Pareil par là-bas, je vais sûrement faire la même chose de ce côté et sûrement de ce côté. Ça sera le central. Voilà, je pense que ça peut être une bonne idée, que ça peut faire joli. Et... Bon. Alors, en tout cas, où en étions-nous? Heat Crucible, ça on a fait, on a eu de la lave. Bulle de cobblestone générateur, c'est bon, nickel. Stone Age, maintenant que tu as assez de sources, une bonne source de blocs, il est temps de t'épandre. Oui, t'expandre, hein. Je sais plus. Voilà, améliore ton île. Donc, bah, j'ai déjà commencé, hein. Alors, oui, j'ai supprimé l'usine à mob parce que, enfin, l'usine à mob, n'importe quoi. J'ai supprimé la zone de pop, tout simplement parce que j'ai vu que, voilà, la première quête de Stone Age, c'est Make Dark Room 25 blocs away from your base for spawn. Donc, en gros, faire une chambre noire. 25 blocs plus loin que la base pour faire spawner des mobs. Donc on fera ça, je sais pas si c'est assez loin par là. C'est possible que non. On verra, je compterai et je ferai ça dans le deuxième, enfin dans le deuxième, dans le troisième épisode hein, même, ou le quatrième, je sais plus. En tout cas, dans l'épisode suivant, on fera tout ça. Je réorganiserai les coffres aussi. Parce que c'est un peu le bordel, hein. Il faut avouer que bon, j'ai pas grand chose non plus, mais c'est quand même un peu le bordel. En tout cas, on a notre cobblestone générateur, on a bien évolué, on a bien avancé, et bah, je vous remercie de suivre cette série. Je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Bisous à tous, bye bye.